Et me revoilà de retour sur YouTube. Mesdames et messieurs, un grand applaudissement à Draenar qui vous propose un nouveau replay de StarCraft 2. Donc sur la chaîne de la Team Why Not, qui n'est plus maintenant la Team Why Not puisqu'elle a disbandé depuis un moment, mais qui est bien la chaîne de Draenar, et je serai essentiellement le seul à proposer donc des replays sur cette chaîne. Et donc on se retrouve sur YouTube pour une vidéo toute fraîche. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'ai pas trop le temps notamment. Et aussi parce que j'ai plus ou moins arrêté de jouer très régulièrement à StarCraft 2, etc. Donc j'ai pas trop eu le temps de dérocher des replays, de me concentrer sur, on va dire tout simplement sur la réalisation de vidéos, etc. Mais j'ai quand même envie de garder un rythme assez régulier de vidéos sur la chaîne YouTube avec des replays de qualité de joueurs professionnels, etc. Donc j'ai décidé de vous présenter une petite partie entre deux très gros joueurs, une game tirée des IEM Toronto. Donc c'est pas tout récent, mais c'est pas grave. Le jeu a très peu changé depuis lors. Et donc nous avons ici en haut à gauche de Merrygoland, le joueur de la team Startail. Il s'agit de Life. Et face à lui, son adversaire de la team tout simplement KT Rulster, très gros joueur, vainqueur de GSL. Il s'agit de Zest. Alors évidemment on n'est pas en GSL, on n'a pas le petit truc super stylé qui nous dit que voilà, on a affaire à Zest, etc. avec sa petite image qui apparaît, etc. Mais c'est quand même ça, on a deux très gros joueurs, on est dans la partie, donc j'espère que cette petite VOD va vous plaire. Ça fait longtemps que j'ai pas casté, j'ai envie de m'y remettre, en tout cas je prends toujours du plaisir à caster, donc vous inquiétez pas, je serai toujours comme avant, avec évidemment un cast qui n'a pas changé. Donc, si vous avez des petites remarques, des petites questions, des petites améliorations à me proposer, pour des petites attentes aussi que vous avez de ma part concernant d'éventuels replays sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à m'en faire part. Tout simplement dans les commentaires, je les lirai avec joie. Donc voilà. On va maintenant se concentrer sur cette game. On est sur Merrygoland. Merrygoland est une map toujours présente sur le ladder. Donc qu'est-ce que je dis, je sais plus, mais en tout cas elle a quand même été jouée, elle est encore jouée en ce moment. Donc c'est quand même une map voilà, qui est assez récente. Et donc du coup on a Zest ici qui nous pose un petit Nexus First. Donc c'est intéressant ce qu'il a fait, parce qu'il a fait Gate Nexus. Il a pas posé de gaz, il a pas posé de il a pas posé en fait de autre chose que sa gate. Et l'avantage en fait qu'il a en faisant ce BO, c'est qu'il va pouvoir forcer plus ou moins une troisième hatch très rapide, puisqu'il a posé une expande très rapide, et surtout avoir une capacité d'agression plus ou moins relativement rapide, étant donné qu'il va nous poser voilà son cybernetic core beaucoup plus tôt que s'il n'avait fait un forge expo. Donc ça a un intérêt. Le gros problème de ce build là, c'est si jamais votre adversaire décide de vous envoyer 6 zerglings dans votre base, vous êtes évidemment dans l'embarras puisque vous n'avez aucune unité pour les contrer. Donc c'est le problème. Mais vous avez un wall cependant, etc. Donc c'est un build l'un dans l'autre qui se développe de plus en plus, qui n'est pas tout nouveau, hein, qui a déjà été vu plusieurs fois, et qui est un opener proto, c'est extrêmement viable. Donc Life qui avait mis une petite pause, rien de bien méchant. Donc pour ceux qui ont déjà vu le match, bah, j'espère que mon commentaire, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, va être aussi bon que celui de tous les casters anglophones et francophones qui ont pu éventuellement commenter ce match. Donc voilà. Life qui gentiment pose une troisième hatch, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réponse hein, à l'expande rapide de son adversaire. En tant que Zerg, il se doit d'avoir rapidement une troisième base pour pouvoir produire suffisamment en cas d'agression, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'il réagit de la façon la plus macro possible. Life, il choisit pas de dire ok, je vais t'agresser, je sais que tu vas pas avoir d'unité rapidement, etc. Comme tu fais un gaz assez late, etc. Bref. Life ne choisit pas l'agression, il choisit vraiment la macro là-dessus, il pose une troisième base dans les timings un peu plus normal, et c'est plutôt Zest lui qui va choisir l'agression avec cette Stargate. Donc ça c'est un build évidemment très greedy, hein. Vous voyez, il n'y a pas de photon, il y a juste un zilot, et le mocor arrive quand même assez tard. Donc sur un gros all-in zergling, Zest aurait été dans l'embarras. Il nous a fait une Stargate rapide, donc on va voir ce qu'il va nous sortir. Là il n'a pas du tout le gaz pour sortir un oracle, et scouter comme ça, l'oracle est beaucoup moins fort que s'il n'avait pas été scouté. Donc tout laisse à penser que ça va gentiment partir sur... ça va gentiment partir sur du Phoenix, hein, voilà, qui sont produits, qui vont permettre de pouvoir empêcher les Overlords de notre ami Life autour de la base de Zest de scouter. Et donc on va voir un peu quel sera le follow-up de notre ami Zest, parce que là-dessus, Zest, le Protoss qui est en train de faire des Phoenix, donc c'est un opener extrêmement macro, puisque ça va permettre de prendre le contrôle de map, et surtout de poser une B3 rapide, tout en gardant l'agression chez son adversaire. Donc c'est là où c'est intéressant de jouer Phoenix. C'est un style de jeu qui était très très publicité sur le début d'HTS, etc., ou même sur la fin de wall contre Zerg, notamment pour pouvoir jouer des games macro. Et c'est un style qui a été plus ou moins abandonné, notamment avec l'arrivée de l'Oracle, etc. Il y a beaucoup de stratégies Protoss qui se sont basées sur d'autres unités que le Phoenix. Les Protoss ont réussi à trouver
d'autres moyens de jouer macro en se passant du Phoenix, mais lui Zest repart sur un style de jeu assez ancien finalement avec Phoenix, Robot et Forge. Donc ça va être intéressant, il devrait poser une P3 normalement dans peu de temps, je dirais dans 3 à 4 minutes il devrait poser une troisième base pour répondre à celle de son adversaire. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce que va choisir de faire Life, étant donné que lui il a bien droné, il a déjà 44 drones. Il envoie cependant un Speedling et un Battle Roach très très light, on est à 7 minutes 13, hein. Il a scouté la Stargate rapide, il sait tout simplement que son adversaire est en train de partir sur quelque chose de très macro, donc du coup il se dit ok, j'ai pas besoin de me commit sur du gaz, sur de la technologie et je peux droner. Donc il a bien raison, puisque l'on peut voir là il envoie que des drones, hein. Il ne fait aucun Zergling, il a juste lancé le Speed et le bâtiment à Roach. Et il enchaîne aussi sur un T2, donc voilà une tech qui arrive très late. Je pense qu'il a pris ses gaz autour de 45-50 de population. Donc voilà, ça montre vraiment qu'il a choisi de tech tard et de surtout privilégier la macro. Ce qui est un choix intéressant puisqu'il va en avoir besoin de cette macro face à un joueur Zest qui est en train de partir. Bah lui de son côté aussi extrêmement macro. Donc voilà, beaucoup de Phoenix, hein, qui sont produits. On assiste quand même à une très grosse production de Phoenix. On en a déjà 5 avec un 6ème qui est en train de sortir. Et un Batacolos, hein, qui est enchaîné juste derrière, donc pour contrer évidemment les éventuels hydralisques que serait tenté de faire Life pour répondre à ces Phoenix. Donc choix intéressant de la part de Zest qui vraiment prend le choix de partir Colosse très très tôt. Il a quand même énormément de Phoenix en fait. J'ai l'impression qu'il veut vraiment pousser son adversaire à jouer Hydra. Un peu vraiment comme sur Wall, hein. On jouait Phoenix pour être sûr que son adversaire joue Hydra, mais pour ça fallait en faire un nombre suffisant. Parce que si vous faites que 4 Phoenix, ça se contre très facilement avec des Spores et des Queens. Là avec 6 Phoenix déjà, il faut être vigilant. Les Queens tombent très très vite, les drones aussi. Il y a beaucoup d'énergie sur les Phoenix pour soulever. Donc voilà. Et c'est pour ça que évidemment Leader is Dan va être posé par Life, qui va évidemment devoir répondre. Ah, c'est Hydra, il a toujours un petit Zergling, hein, qui prend un peu l'information de la B3 de son adversaire. Il voit qu'elle n'a pas été posée. Donc pour l'instant il est plutôt bien, il sait, voilà, il a 57 drones sur B3, il a une économie supérieure. Donc il va falloir qu'il se méfie d'un éventuel push sur B2, d'un éventuel all-in Colosse sur B2. On a quand même beaucoup de gates, hein, là en termes de gates on va passer à 7 gates il me semble. Ou Seagate peut-être. Ouais, Seagate. Donc Seagate Colossus, qui est un build quand même assez agressif, en tout cas avec la possibilité d'agression. Alors après, ça veut pas forcément dire en all-in, ça veut surtout dire que le Protoss va vouloir avoir beaucoup d'unités pour défendre sa troisième base. Il veut pas prendre une B3 trop greedy avec très peu d'unités et du bâtiment, des gates notamment rajoutés devant la B3, etc. Donc c'est intéressant ce que nous fait Zest de jouer comme ça sur B2 assez longtemps, jusqu'à la 10ème minute de jeu. Il va avoir son premier Colosse et son Void Ray, donc une position d'armée qui a été très publicité aussi au début de Wall, etc. Au début de HTS, pardon, quand on a eu les... notamment le patch des Void Ray qui a tout changé. Attention, le Colosse qui est micro, j'ai eu peur, voilà, de la part de Zest qui s'en sort très bien. Il est vrai qu'un Colosse c'est très efficace pour reboot ce genre de type de push de Roach assez... rapidement dans la partie. Donc là voilà, Life qui tout de suite nous pose une fausse d'infestation, donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit un T3 très rapide avec des Vipers, soit tout simplement du Swarmost. Après, est-ce que le Swarmost est un choix intelligent dans cette situation, sachant que son adversaire a quand même les Colosses très tôt? Ça peut être contesté, je pense plutôt que ça va être un T3 rapide. On va voir ce que ça va donner. Mais a priori, moi je miserais plutôt pour beaucoup d'Hydra avec des Roach et un T3 avec des Vipers, hein, pour éventuellement tenter un push rapide, voilà, tout en sécurisant une B4 et en continuant de bien saturer ses bases. 70 drones, la Life qui va être max en termes d'écho, qui commence à produire beaucoup d'unités, on peut le voir. Et donc là, il va commencer à agresser un petit peu. Il a ses Roach qui ont été produits tout à l'heure, qui vont pouvoir être présents et éventuellement essayer de contester cette B3. Alors bon, ça va être compliqué étant donné l'armée quand même assez imposante qu'est le Protoss, mais voilà, Life qui se montre présent sur la carte, qui répond gentiment son creep. Bon là on est contre Protoss, donc il n'y a pas forcément autant besoin de répondre le creep que contre Zerg, mais il est quand même important de pouvoir relier ses bases entre elles. Là c'est pas très bien relié, notamment quand on joue Hydra, c'est dommage que Life n'ait pas relié toutes ses bases avec du creep. C'est peut-être quelque chose qu'il fera plus tard. Après, je connais pas le style de jeu de Life, mais il est vrai qu'il y a pas mal de Zerg comme ça qui ont un style de jeu beaucoup plus basé sur la macro que sur le creep, et c'est vraiment un style de jeu particulier. Pour l'instant on a 0 Phoenix de mort avec respectivement à peu près 4-5 kills sur chaque Phoenix. Donc ces Phoenix qui ont été plutôt bien rentabilisés, hein. Vous voyez au niveau des unités perdues, le Protoss qui n'a perdu que 3 unités, qui sont 3 zilotes il me semble, voilà. Donc pour l'instant une très bonne macro de la part de Zest, une très bonne micro aussi puisqu'il a perdu très peu d'unités. Maintenant tout est entre les mains de Life en fait, parce que là lui Zest il va camper sa B3, il va continuer d'accumuler du Colosse, du gilot de charge, du blink, etc. et de l'amélioration. Là maintenant ça va être à tout simplement à Life de réagir. Et on peut voir un choix intéressant, hein, de la part de notre ami Zest, qui sait que là il a Colosse très tôt, que son adversaire est susceptible de réagir aussi très rapidement avec un T3 qui a été scouté, hein. Donc voilà, il sait que c'est du Viper. Viper à 13 minutes c'est quand même assez tôt, mais
Mais il en a conscience, Zest, et gentiment il nous fait une petite Templar Archive. On va avoir bientôt 5 colosses avec upgrade, il me semble. Donc 5 colosses avec upgrade, c'est monstrueux contre une armée Rochidra. Donc il faut absolument que le Zerg bénéficie de Viper pour pouvoir s'en débarrasser. Le problème, c'est que 5 colosses, voilà, il faut plus de 2 Viper pour pouvoir tous les hook et les tuer rapidement. 183 de population pour la F qui n'a pas vraiment fait de fight frontal pour le moment. Il a une B4 qui est saturée, je pense qu'il pourrait être saturé avec 75 drones, de toute façon c'est pas le problème. Et on a la Spire qui se pose. Le problème pour moi c'est que la Spire quand même est un petit peu late. On aime bien avoir quand même quelques corrupteurs face à autant de colosses. Mais peut-être que Life n'a pas vraiment réellement conscience du nombre de colosses qu'a son adversaire. Alors évidemment, là il vient de. Je dis ça à un moment où il vient de scouter, donc il sait complètement le. Ce qu'a son adversaire, et là il sait surtout qu'avec cette armée là il ne fera rien du tout. Là je pense que voilà, il va juste essayer de garder le map control, de se faire une bonne économie avec une bonne capacité de reprod, et il va essayer d'engager son adversaire en tout un maximum de colosses avec ses Vipers. Le problème, eh bien, c'est que son adversaire a déjà warpé 3 HT qui vont être très utiles afin de répercussionner les Vipers. On a du Phoenix, on a du Void Rain, on a une armée qui est très puissante contre du Viper Hydra, quoi. Donc là ça risque d'être compliqué pour Life, qui va tenter quelque chose qui pourrait s'apparenter à un espèce de double front là-dessus. Il y a pas mal d'HT, mais vous voyez, hein, les HT, les Viper pardon, sont tenus très éloignés des HT. Life qui sait que là il joue vraiment sa vie sur ces deux Viper et qu'il ne doit surtout pas se les faire feedback. Donc il prend vraiment bien soin de les reculer. Cependant les Phoenix veillent au grain, je pense, et empêchent complètement les Vipers de se rapprocher pour aider l'armée Rochidra de Life à progresser. Et là c'est Zest, oh là là, très bon move de la part de... Oh là là, c'est magnifique, oh c'est magnifique. Life qui joue extrêmement bien sur ce hook de Colosse, vous avez vu, il a bien réussi à attendre et à s'éloigner des Phoenix et à attendre que les HT soient morts ou n'aient plus d'énergie afin de... soit morphé en Archon afin de bien commencer à hook les Colosses. Et là c'est un très bon move, hein. Il a réussi à prendre 2 Colosses à son adversaire, ce qui n'était vraiment pas gagné avec 2 Vipers. Donc pour l'instant, Life qui gère très très bien au niveau de la macro son adversaire, et malheureusement 2 Colosses ça coûte très cher à l'armée de Zest. Zest il a une armée très particulière avec très très peu de stalkers, pour même dire 0 stalker. Il mise essentiellement sur des unités très chères telles que les Immortels, les Archons, les Void Ray et les Colosses. Donc une armée qui est très chère à reproduire, pardon. Donc il est vraiment impératif pour Zest qu'il ne perde pas son armée d'un seul coup sur deux hooks de Viper. Sinon ce sera clairement la game. En plus Life, on peut le voir, a énormément de bases là. Il passe sur B5 avec vraiment beaucoup de drones, qui va être vraiment en capacité de reprod assez impressionnante, 2000 ray. Le Protoss aussi a une belle banque, il a combien de gates? Il a que 10 gates le Protoss, mais en même temps il joue pas sur énormément de gate units. Donc il est clair que ça justifie aussi le peu de nombre de gates présents à cet instant là. Les Vipers qui sont très bien micro, hein, vous voyez, il les recule. Alors le problème c'est que là l'armée de Life est quand même un petit peu faible, on n'a pas de plus 3 d'attaque, on voit pas de corrupteur en production. En termes d'armée, pour l'instant en termes d'unité, il n'y a que des Roach et des Hydra et des Vipers, quoi. Et surtout il n'y a que 2 Vipers. Il y en aurait eu 4 ou 5, ça aurait peut-être été plus convaincant. Mais là, ça semble quand même compliqué pour Life. Alors après, bien sûr, il est chez son adversaire, il a de la reprod qui va arriver, etc. Mais ça semble assez compliqué, malgré quand même une bonne gestion de sa part. Hein. Son armée, et en termes d'armée, il est vraiment en dessous en termes de valeur d'armée, vous voyez. Ça n'a rien à voir, surtout en termes de coût de l'armée. Cependant, il arrive à maintenir son adversaire chez lui, à prendre des bases, à tecker gentiment. Alors après, ce qui me dérange un peu, c'est que là, il lance pas son plus 3 d'attaque alors qu'il avait un T3 assez rapide. Et ça permet à Zest quand même, bah, voilà, de bien s'amuser, de pouvoir poser des bases, lui conserver une armée très puissante. De toute façon, lui, Zest, tout ce qu'il veut, c'est du temps, de l'upgrade, de la tech. Il veut attendre. Et il sait que, de toute façon, qu'à terme, son armée sera plus puissante que celle de son adversaire. Donc voilà, Life qui doit faire avec et essayer de prendre ce qu'il peut prendre. Malheureusement le créneau où l'armée de son adversaire était assez faible a plus ou moins disparu, et là il fait face quand même à des îlots bientôt plus 3 d'attaque avec un de défense qui ont la charge, etc. Donc ça commence à être compliqué pour Life en termes d'armée. Je pense qu'il est vraiment en dessous, hein, regardez. Pas forcément, il est pas forcément en dessous puisque il a bien reproduit, mais c'est vrai que l'armée du Proto c'est très impressionnante là-dessus. Sur ce coup, on a énormément d'HT avec le Storm, on a beaucoup de Colosses, des Imo aussi pour appuyer tout ça. Et c'est vrai que là-dessus, l'armée Rochidra de Life semble quand même bien faible pour reboot cette énorme armée de Zest. Et je pense que Life a pas réellement saisi le créneau intéressant pour venir vraiment sanctionner Zest sur sa base. Et donc du coup voilà, ça permet à Zest et au Protoss coréen de faire de très bons moves. On devrait avoir droit à des feedbacks, 2 Colosses de hook avec même des stalkers qui sont blink pour les sauver. Mais là regardez, c'est un massacre tout simplement de l'armée Zerg.
Life, le Protoss qui est en train de rouler sur notre ami Life. Life, le petit genou de la Team Tarstel qui est en train de se faire ramasser dans cette demi-finale, je crois, ou ce quart de finale de TEM. Et ça semble compliqué et ça semble très certainement une win pour être la win pour Zest qui a très bien géré sa macro. Hein, lui, de toute façon, voilà, il savait qu'en restant sur, B3 avec de la tech et une armée très puissante, des achetés rapides, s'il arrivait à passer entre guillemets la période compliquée qui était celle des. 10-15 minutes, là où le Protoss commence à avoir des hydra, il était très bien. Et voilà, magnifique micro opéré avec le prisme, hein, Colossus à 11 kills. Même si la bonne reprod d'hydra permet à Life de tenir, je pense pas que ça puisse lui permettre de gagner la partie. Il a perdu 51 workers, il est maintenant descendu à 35 contre 70. Alors après, le problème c'est qu'en termes de gate, on a toujours que 10 gates, hein, donc faut quand même qu'il se méfie l'ami Zest, parce que voilà, un Zerg, même si ça a plus beaucoup de base, plus beaucoup de drones, ça a toujours quelques larves et de l'argent pour reproduire, et puis ça peut quand même envoyer une grosse armée. Là en termes d'armée, regardez, là il fait vraiment devant, et peut-être que Zest a un peu sous-estimé, surestimé cette capacité de reprod. Cela dit, voilà, il a quand même fait des archons, donc c'est une très bonne force de reprod pour tanker, pour temporiser, ça met du temps à buter, etc. Donc je pense que c'est un bon move. Maintenant, l'armée de Life n'est pas dégueulasse non plus en termes de valeur d'armée. Bah là il fait devant, hein, pour le moment, sur cette reprod. En plus on a beaucoup d'hydra, et vous voyez là il manque des îlots dans cette armée. Dans cette armée proto, c'est Life qui est en train de se faufiler avec une très bonne défense tout à l'heure effectuée à base de drone, qui est en train de se faufiler dans la B4. Ouais, cependant les immos sont là quand même, on est plus 3. On est plus 3 contre plus 2. Malheureusement le plus 3 l'attaque de Life arrive exactement maintenant. C'est peut-être un peu dommage d'avoir attaqué sans ce plus 3 qui aura peut-être pu changer la donne. Malheureusement ça va pas le faire, et de toute façon je pense que le Zest aurait été habilité à reprod quoi qu'il en soit, une bonne armée. Et là en termes d'écho, hein, voilà, c'est sans appel, 1700 contre 600, les bases de Life qui ne minent pas. Ce qui est très étrange, c'est que sa B4 n'a pratiquement pas miné en termes de minerai. Regardez, il a rien miné sur la B4, et c'est assez étrange. Sa répartition de drones était peut-être trop importante sur sa main, etc. Life qui est pas... on peut quand même lui faire quelques reproches sur cette game. Il n'est pas exemple de reproche dans le sens où il a fait quand même pas mal d'erreurs au niveau de sa macro, de sa saturation de B4, je pense. Après, je suis pas Zerg, hein, donc peut-être que ça fait partie du plan de comme ça de laisser que les drones sur le gaz et d'attendre que la B1 et la B2 soient mined out pour venir saturer ses bases et garder du minerai en stock. Attention les feedbacks, ouais, voilà, un magnifique feedback très réactif de la part de Zest, et c'est le GG, auquel on s'attendait depuis un moment quand même, étant donné que Life était quand même dans une position assez compliquée. Donc voilà, on va se laisser sur cette fin de partie. J'espère que ce replay vous a plu, j'ai essayé de prendre un peu de temps pour vous le proposer. J'essaierai d'en enregistrer d'autres, moi sachant que je vais être en vacances demain, donc je vais pouvoir vous enregistrer 2-3 trucs, essayer de vous proposer des nouveaux concepts, peut-être des petits commentaires de mes games de ladder, mes petites strats et tout, si je peux vous aider éventuellement, il n'y a pas de souci. Donc du coup je vous remercie, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.